Mathilde Seignet a longtemps été la bonne copine à qui l'on peut tout confier et sur qui on peut compter quoi qu'il arrive. Seulement, la comédienne a compris, pendant le confinement, qu'elle était peut-être trop gentille avec les autres. Si est-il en tout cas ce qu'elle a confié dans les colonnes de Téléstar, à retrouver dans les kiosques lundi 14 juin 2021. À l'affiche du film Un tour chez ma fille, avec Josiane Balasko, elle assure que la morale de l'histoire si est-il finalement de réussir à trouver la bonne distance à instaurer avec ses proches. Je pense qu'il faut savoir garder la juste distance avec les gens en général. Je ne savais pas le faire avant. Je m'embarquais dans l'affectif, à aimer tout de suite. Mais si est-il une erreur, a-t-elle ainsi déclaré avant d'expliquer le fond de sa pensée. Avec le confinement, comme j'ai vu moins de monde, j'ai pris des distances malgré moi. Et là, j'ai fait le tri. C'était une grande braderie chez moi. Il y a des gens que je ne vois plus. Mathilde Seignet a donc fait le tri autour d'elle pour se concentrer sur l'essentiel et ceux qui comptent vraiment pour elle. Forcément, son fils, Louis, fait partie des personnes qui sont indispensables pour son bonheur. D'ailleurs, le confinement les a beaucoup rapprochés. Quelle relation a Mathilde Seignet avec son fils ? Il a 14 ans et je ne le charrie pas trop sur les filles. Il n'aime pas parler de ça. Il est très secret. Je n'ai pas intérêt à trop m'immiscer, a-t-elle encore raconté. Alors qu'elle n'est pas adepte des relations fusionnelles, elle respecte la vie privée de son fils, né de sa relation avec Mathieu Petit. Ma maman n'est pas ma copine. Il y a des sujets que je n'ai pas envie d'aborder avec elle parce que ça me met mal à l'aise, a-t-elle d'ailleurs assuré.